bandeko ya komite congolaise na kale yuke ezali mpona ya kisikituba coordinateur ya communauté na ye lelo parce que outi kokutana na baautorité ya mboka oyo mpona sud ya makambo bandeko na biso bakongolais na demarche oyo ya concert ya fali eza publie pona le 29 esanza oyo nous sommes sur la bonne voie donc ne malamu. Et dans 48 heures pour votre décision finale, mais on va se dire que nous sommes tous les sangs, nous sommes tous les chauffeurs, pour tous les bonnes voies, pas comme le cas très bien. Vraiment calme dans le cadre de la communauté, tous les beaux et beaux, pour dire que nous sommes les sangs vraiment, tous les sangs, l'idée pour vous dans la marcasse. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que facilement. C'est très facile, tout pour l'autorité, nous sommes sur la bonne voie. Là, je te dis que le Congolese Community United Kingdom, actually, Cuba, le coordinateur Congolese Community United Kingdom. We just met with the authority, we started at 12 o'clock, and now it's nearly 1:03, we just finished the meeting with the authorities in regard to the planned concert of Fally Ipupa in this country. So just to let you know that we are on the process of cancelling it, but we can't call it cancel. So just keep cool, please, please, no tension in the community. We have to work together. Remember, we say together, we are stronger, but isolated, we fall. So we've just finished meeting the authorities now, I think 2 or 3 minutes ago. We are on the right way, and we believe that the people always will win, and we will win together if we stick together. Thank you very much. C'est Akis Kituba, le coordinateur de la communauté congolaise de l'UK. On venait de rencontrer les autorités par rapport au concert de Fally qui est prévu le 29 de ce mois. On était une dizaine avec les autorités de la Grande-Bretagne. C'est pour voir les dangers que le concert pourrait apporter dans la communauté. Donc je peux vous garantir que la réunion s'est bien tenue, s'est bien passée. Et plus dans 48 heures, on aura la décision finale venant des autorités. Dès que la décision sort, et vous allez encore nous revoir ou me revoir en train de parler de la communauté. Donc, soyons ensemble. Vous savez que quand on est ensemble, on est très fort. Mais si on est isolé, on ne pourra pas réussir. Mais retenons ceci. Les samedis, c'est samedi ici, les 14, il y a réunion de la communauté congolaise à Selby Center. De 14h à 16h, je pense, ou 17h. Donc, venez nombreux. Peut-être on sera déjà en position de la décision finale des autorités de ce pays. Merci beaucoup qui était béni pour notre pays, qui était béni notre communauté. Merci beaucoup à qui c'était.